Voilà. Il y a eu un changement très rapide. Donc on enchaîne. Et putain, ça aurait été. Eh, ils auraient fait une vraie difficulté. Les 8 champions, plus le maître, sans soigner. Là. On aurait pu s'éclater. Savez-vous quelle heure il est? Et oui, c'est l'heure du premier round du tournoi des champions. Relevons maintenant l'identité de nos deux premiers compétiteurs. D'un côté, nous avons une dresseuse recommandée par le maître lui-même, Challenger Gilles, et de l'autre côté, le tsunami de la pilazuli donne à l'expert de type O. Et je vais sentir ma lalitante pour te violer, te violer. De l'eau a coulé sous les ponts depuis notre commencement de Skiford. Je constate que tu as bien évolué depuis des. Décidément, notre maître bien-aimé a l'œil pour déceler les jeunes danseurs talentueux. Toutefois, tu es encore loin de l'étoffe d'un maître, contrairement à moi. Alors, cette fois-ci, je ne serai pas l'erreur de. Mais, avec la puissance du Dynamax, moi, Donna, je vais mettre un Tarak au tapis et remporter le titre de maître. T'es que la deuxième championne, tout le monde s'est pas enroulé dessus. Et on trouvera encore dessus. Mais la musique est trop bien. Dunia va être déçu, mais tant pis. Tu vas engloutir ton équipe. Putain, ils ont pas encore 6 Pokémon, ils ont un problème avec le 6. Le tir de précision. Ah non, c'est des types con. Bon, par contre, c'est des vrais Pokémon qui me parlent. Demi-tour. Why not? J'avais fait un demi-tour, c'est pour switcher de Pokémon, non? Et je sais que le switch à la place. Yeah. Oula, attends. Hop, c'est tout. Allez, bonce. Allez, vous paniquez ta putain de place 3. Anneau hydrogène. Et je sens que ça va. Écoute. Moi je sens l'idéator quand même. Ça dire quoi? Trop chiant. C'est vrai que je dois faire un champ en place et une vive attaque. Ah, c'est l'évolution de Pokémon qu'on pêchait dans ton port à toi. Et hop, je fais. Tunnelier, ah merde. Ah merde. C'est pas grave. Du critique, c'est parfait. Putain, il était un peu plus rapide que moi, moi, je disais. Et là, oh putain, il donne. Ah. Ouh, redégommé. Sauf si t'attaques avant. C'est pas grave, j'ai un putain de petit plan pour te dégommer. Je vais faire la faille. Ah, ça passe. Plus un peu comme acier, j'ai l'impression. Ouais, attends, j'allais faire une vive attaque, mais je me dis. Est-ce que c'est une idée? Ah, le bâtard, j'aurais peut-être dû faire giga ascension. Pour récupérer un peu de vie, en tout cas. Ah, je m'assure un peu les arrières.
Repli tactique, mais putain, ils vont faire comme ça. En plus, hyper. Mais qui pense. J'arrive, mais qui pense. Non, il est pas mieux. Et en fait, il y a que le premier Pokémon qui m'a impressionné. Quoi. Le reste, on va vu que j'ai toute ma vie, ça va être la feuille. C'est pas si plus que ça. Bon, regarde, il va me faire switcher. Ça sent le coup critique. Même pas. Ah bah oui. Renvoie-moi. Ah, je vais t'attaquer. Putain. Me pose c'est con hein, quand même quand c'est quoi escarmouche, parce qu'il me fait putain de mal son putain d'escarmouche de merde. Encore Togamore, c'est pas fini, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Voilà, tu t'attends à Togamore, et ça se trouve. Bon, là ce coup-ci, Gigamax. Non, on va pas le respecter. Ok, Gigamax. La dernière fois, il faisait que des Gigamax. C'est l'autre, c'est un champion de type dragon avec des Pokémon qui sont pas classe du tout. Par contre, l'attaque n'est pas juste. Ce n'est comme ça. Pas trop d'espoir. Malgré tous nos efforts, tu as remporté la victoire avec une aisance remarquable. Et Jill, et c'est Jill qui l'emporte. Quel combat, même l'impuissance des vagues de Dana n'a pas pu rater notre challenger. Je m'inquiète, même mon partenaire Dynamax ne fait pas le poids face à ton Pokémon. J'aurais dû prendre Sonia plus au sérieux quand elle chantait des louanges. Ça va m'apprendre. Toute la région a les yeux rivés sur toi puisque tu m'as vaincu. Je compte sur toi pour atteindre le sommet de ma place. Et c'est la fin du premier round. Restez avec nous. Du coup, si on est... Ok, c'est bien ce que je pensais. Donc je vais me battre contre Alistair si déjà. Maître. Percy s'est fait dégommer. Berthers. Non putain j'en ai kiffé de tomber sur Berthers. Je réfléchis même pas si mes mecs commencent à se manger. Ouais donc c'est un tournoi. Ouais. Attends, j'ai un doute hein. Ils sont encore soignés. Alistair, alors Alistair c'est le spectre. Mesdames et messieurs, bienvenue au second round de tournoi des champions. Quatre adversaires sont encore en compétition, lesquels d'entre eux seront en finale. Après avoir vaincu l'ex-challenger Travis et pour la suite un coup de terrain mémorable, Challenger G a donc continué sur sa lancée en s'arrachant la victoire de Donna, dont le premier round du tournoi. En fait, c'est un conseil des quatre, j'ai Travis, Donna, Alistair et le boss final, quoi. Qui va être sûrement le Pokémon Dragon. Mais quoi que Peterson, quand même. Ah, je kifferais quand même Peterson. Son prochain adversaire, Alistair du Roi Silence. Parce que Peterson n'a pas eu le Gamax contre lui. Bonjour, tu es là en forme. Je me souviens de toi. Tous les challengers, tu étais la plus forte de l'eau. Viens, battons-nous.
champion, voilà. Toi, t'as une musique badass. Tout le monde me regarde et je veux disparaître, mais je dois me battre. Tire de précision. Ouais, sinon, le mec qui me disait il y a un petit moment au début du live, mais tu vas te faire défoncer si t'es pas niveau 60. Il est fermé, au calme. Hop, hop, hop. Bon, un message. Critif qui est. Je vais avoir un notif sur mon bordel. Ouais. Deux Pokémon vraiment twist, je le dis même pas. Reste, putain. Oh, la terre, ça. Je pouvais pas mettre autre chose que une terre là, con. En fait, avec les Argus, je pourrais me faire tout le jeu avec. J'ai cru qu'il manquait un P. Ça me manque le conseil de 4 des 3 premières versions qui c'était vraiment beaucoup plus dur que ça. La troisième ça allait encore, elle était simple. La première et la deuxième c'était plus dur, putain. Allez, une magique inversée. Ton dernier? Mais non, mais c'est pas son dernier, putain, il change de gig. Ah mais non, Ectoplasma qui gymnase. Je l'avais. Du coup, je me demande, le tournoi c'est aléatoire ou pas? J'ai spammé la même technique depuis tout à l'heure. Un petit coup critique par contre, comme ça c'est hop, on va vite régler. Ouais, bah tiens. Un peu quand c'est triste, j'ai peur. Est-ce qu'on verra visage? Tout parce qu'il c'est vous. Vous d'être un gigamax. Je le respecte ou pas? Voilà, respecter ce coup-ci. Pas de soucis, je m'échapperai pas. Je l'avais pas déjà one shot comme ça la dernière fois. Je crois bien que si, hein.
Ce masque m'empêche peut-être de voir le potentiel des autres. J'arrive pas à ce masque, merde. John Jay remporte la deuxième rencontre. Wow, quelle force. Bonne chance pour la suite. Je t'admire beaucoup. Qui sera le prochain adversaire? Roy, le champion draconien, ou Peterson, le champion dynamaxé? Fait qu'une bouchée de pierre, ça m'étonne pas. Sois pas violente comme ça, Sarrête. Gilles, je suis tellement désolé. Moi qui comptais sur mon fourreau pour venger l'honneur familial, voilà qui se prend une raclée face à Roy. Tu t'es fait battre en mode 2. Tout le monde va penser qu'on est des nazes. Non mais, tu comprends pas, Roy il rigole pas, il est super balèze ce gars. Et c'est pas tout le monde qui est capable de lui faire face sans utiliser Dynamax. Je pense que le public l'a bien compris. Je le sais ça. Et c'est justement pour ça que je voulais que tu sois vainqueur. Tu t'es trop bien battu, il t'aurait dû gagner. Du coup, il te reste plus que toi, Jin. T'as intérêt à gagner. J'espère qu'on n'a pas trop compris. T'as pas trop déconcentré avant ton combat. Roy t'attend sur le terrain, j'ai hâte de le voir là. Je crois que tout à l'heure, la dernière fois, j'ai quand même douillé un peu contre Roy. Est-ce que ça va être encore la même chose? Est-ce qu'il va encore appeler son putain de building à la con de merde? Un petit Dracolos, quoi, classique, contre un champion Raoum, quoi. Même pas, il y a le Dracolos. Bon, c'est vrai que les rayons de Dracolos, j'aurais violé. Mesdames et messieurs, nous y voilà enfin. Le round de finale du tournoi des champions est sur le point de commencer. Lequel de nos finalistes aura l'insigne honneur d'affronter notre maître en titre, Tarak Lank? Est-ce qu'il s'agira de notre star montante Challenger Gilles, ou il s'agira du rival de toujours, de Maître Tarak, le champion incontesté du type dragon, Roy, l'adversaire draconien? Waouh, t'as réussi à arriver jusqu'ici, bravo. Décidément, Tarak a eu le flair quand il a décidé de te recommander. Avant d'aller le terrasser, il faut d'abord que tu m'occupes de sa petite protégée, c'est-à-dire, toi, tu m'as rebattu une fois, mais pas deux. J'ai grave entraîné mon équipe un à un. 1 contre 1 depuis notre dernier combat, donc si tu penses faire face au même Roy qu'avant, je te mets le doigt dans l'œil, laisse tomber, tu vas morfler et je vais te niquer ta gueule. Merci. C'est un radon ça, foutez de ma gueule! Non, il respecte pas le thème, excusez-moi, il respecte. Que dalle le thème, surtout que c'est quoi ce Pokémon? Je vais lui faire un attaque haut comme d'habitude. Ah oui, mais non, il maîtrise la météo. Évidemment, il y a encore ce que 5 Pokémon. Mais tir de précision, je lui encore de marave la gueule. Bah, ah, miracle, il a résisté. Pardon. Je m'excuse, il a failli me violer. Putain, un Pokémon type feu qui est au soleil, quoi. Et en plus, avec la météo, pouf, lui faire lancer les directs. Ah, tu t'y attends pas. Ah, putain, tu t'y attends tellement pas. À changer de vie. Ok, quoi? Et non, qu'est-ce que je fais? Parce que s'il me fait un fatal foudre, ça veut dire que c'est... Je sais pas si l'étincelle fera quelque chose. Attends, fatal foudre doit être pluie. Et est-ce que pluie avantage les attaques foudre aussi? Et puis, le cauchemar des Pokémon au corps de Breeze. Oui. Oh putain. Coup critique. Et si je suis encore plus rapide, normalement je devrais te niquer.
vrai que ça baisse la défense, machou, c'est pour ça que je le fais de plus en plus mal. J'avais pas tité la dernière fois. Mais oui, maintenant je fais. C'est bien ce que je pensais, je me disais, tu fais ça, Uliki quand même, non? Tempête de sable. Ça, il est bien. Pourquoi il est bien? Il y a un attaque foudre qui fait très mal mais qui me blesse, une attaque foudre en classique, une attaque fée, ténèbres. Franchement, c'est parfait. J'aurais pu refaire un double pied aussi, ça aurait été pas mal. Oh putain, c'est tellement pété son attaque, c'est vraiment le Pokémon que je connais le plus. On sort Spider. Avec ça, c'est pour aller. Niveau 60, putain. Combien de Pokémon niveau 60? La seule personne en mesure de vaincre Tarak, c'est moi. Et tu crois pouvoir me vaincre? C'était ton dernier? C'est déjà ton dernier? Non. Ah bah si. Il me rappelle son putain de minimum de merde. Qui est pas du tout ouais, parce qu'il est con. Si dit tiens, on va se taper une barre, on va faire un minimum. Bon, au moins je l'ai niqué deux tours. Oh, putain, on a quand même un arc là, ça. La fête. En fait, j'ai rien contre le battre. En fait, je vais te dire que j'ai rien pour lui. Qu'on aurait pu le faire. Allez, au moins il appuie son gigamax. Je vais le violer. Allez,
hors sort smile. Par contre s'il fait encore un tour de gigamin, ça va pas faire. Et vous savez quoi, ça va être quoi la blague? En faisant un coup de pied. Qu'on attend qu'il enlève son Gigamax pour Dynamaxer. Voilà, là je commence à avoir un coup de pompe pour un Dynamaxer quand même. En espérant qu'il me fasse pas mal parce que je suis quand même blessé. Alors, de toute façon je suis bon. Cryomax. En plus graine, ah bah c'est bon il est mort. Il n'y a aucune chute de graine devant moi, t'as du cran. Splash. Je me suis auto-tué avec mes graines. Je me suis auto-tué. Oh putain. Lui aussi. Il fait mal l'oreille. Peut-être que je vais souffrir contre Tarak. Perdre si près du but, ça fait mal. Je prendrai un selfie pour ne jamais oublier cette défaite. C'est J qui l'emporte, la victoire haut la main. Pour une fois il dit haut la main quand je galère. On s'était pourtant entraîné à Donf, mais avec ton équipe, et on était loin de se douter que vous deviendrez aussi balèze. Je suis encore jeune, mais franchement, ça me fait quelque chose de voir quelqu'un encore plus jeune que moi grandir aussi vite. Tu as un super ingénieur qui t'attend, toi, c'est clair. Allez, va montrer à Zara qui est le maître maintenant. Et la gagnante de la finale du tournoi et la championne, elle est numéro 7. Ginger Jill. Et maintenant, l'heure de vérité approche. Dis-leur telle raison de Tarak. Le maître invaincu qui l'a recommandé aura les réponses très prochainement. Paniquez Tarak. 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 Salut, c'est enfin la grande finale, ça va, tu stresses pas trop. Je suis venu pour t'encourager. Ou encourager Tarak, je sais pas encore sûr. Pas facile pour moi de choisir entre mon frangin et ma rivale. Yo. Oui, t'as raison, Jill et moi, on a partagé tant de choses qu'on a pu qu'on a quitté pas avec Satan. Tu dois encourager quelqu'un, c'est bien. Bon courage contre mon frangin. Si quelqu'un a une chance de le vaincre, c'est bien toi. Ah, la tension sur le terrain qui contraste entre avec l'effervescence des gradins, j'adore ça. Et n'oublie pas ceci, au-delà des clameurs et des applaudissements, le public n'attend que de voir la défaite que l'un d'entre nous. Une pensée peut terrifier n'importe quel danseur, mais pour donner le meilleur de soi-même et de son équipe, il faut vaincre cette peur. Bref, il est temps de passer aux choses sérieuses, mais Pokémon trépide d'impatience. Je suis Tarak l'invaincu. Es-tu prêt à m'affronter l'unique maître de Galar? J'espère que oui, car Dragofeu est mon équipe et moi nous sommes prêts à t'écraser. D'une, ton Dragofeu, je pense que j'en fais qu'une bouchée. Il devait pas se passer un truc entre avant. Attendez, voilà, c'est ce que je pensais. Regardez l'écran, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois cet événement-là? Là, d'une le maître, après le maître. Bien le bonjour à tous, mes très chers Tarak et Jill. J'ai une annonce à vous faire pour sauver Galar, j'ai déclenché la nuit noire. Fils de. Mais malheureusement, l'énergie libérée par la nuit noire ne peut être entièrement contenue. Si seulement tu m'avais écouté Tarak, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Alors, moi je viens de voir un écran avec tous les stades. S'il faut, je m'amuse à retourner sur tous les stades. Tarak et Jill. Ça mène du stade de Kick maintenant.
Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Giroz? Aucune idée, mais vu le disque que tu donnais hier, ils sont bien obsédés par l'idée de résoudre cette crise qui se déclenchera dans 1000 ans. Je vais aller voir ça, histoire d'en avoir le cœur net. C'est mon devoir, mon maître. J'aurais dû prêter une oreille plus attentive aux paroles du président. J'ai une part de responsabilité dans cette histoire. Laissez-moi faire les enfants, le maître se charge de tout. Et avec son sens d'orientation moisi, il va jamais réussir à trouver, c'est sûr. Gilles, je veux aider mon frangin. Mais vu que j'arrive déjà pas à te battre en combat Pokémon, je sais pas ce que je pourrais faire pour le soutenir. Plein de choses. Genre quoi? Ce truc il y a super longtemps où les ténèbres se sont battues de galère et tout, non? Pourquoi il dit que ça va recommencer? Où est-ce qu'on a entendu parler la première fois? Le Motorbi. Et oui, la statue de l'hôtel Motorbi quand Sonia nous avait parlé. Après, on a découvert qu'il y avait deux héros. En fait, et qu'ils avaient lutté contre la nuit noire grâce au Pokémon épée et bouclier. Mais alors, on n'a qu'à faire comme Léon, il faut qu'on retrouve ces deux Pokémon. T'as une idée où les chercher? Bien sûr, t'as raison, la forêt du Sylphod. Je me souviens, ce Pokémon, quand t'avais affronté l'illusion, c'est plutôt. Je suis sûr que c'est l'un des deux Pokémon endormis. En route pour la forêt du Sylphod. Moi, je vais affronter le maître. Tiens, salut Nabil. Attendez un peu, qu'est-ce que vous fichez ici? Et match ultime? Annulé à cause du président de la ligue, il faut soutenir encore un match de Seigneur. Quoi? Annulé? Il se passait quoi? Et quand je faisais mes recherches, un vent d'accident est apparu au-dessus du stade de Kekeman. Je crois qu'ils appellent ça la nuit noire. En tout cas, c'est la panique. Mais il n'y a pas à s'inquiéter car ton maître invaincu est parti s'en occuper. Attendez, vous avez dit la nuit noire? Le nom du vortex sombre qui a failli détruire la région de Galar dans les légendes. Enfin, ça n'explique pas tout ce que j'étais venu faire ici, Jill. Je vois. Si la légende est vraie, les Pokémon épée et bouclier pourront nous aider à affronter la nuit noire. Dans ce cas, il n'y a pas une minute à perdre, j'ai tout que vérifier, ne l'attendez pas. Je vous rejoins plus tard pour. Allez, à la fois d'ici pour 3 rappels max, c'est très gentil. On les a tout de suite. Mister Bouclier épée. On est très fier de voir son bébé faire de son mieux pour aider ses camarades. Grâce à ce Pokémon. T'es prêt, Jill? Et moi, qu'on se retrouve encore perdu dans la brume, mais on est plus fort qu'avant. N'empêche, tout a commencé quand on allait chercher un mouton dans la forêt. C'est bien? C'est vraiment un jour de trop ouf. Début de notre histoire. Et aujourd'hui, on continue à l'écrire. Allez, c'est parti. Gourmand et tout. Merde. C'est ça, il devrait laisser ses Pokémon là. Ouais, j'ai fui. T'es foutu. J'ai pas envie d'user un PP contre ce genre de Pokémon, quoi. Oula, voilà, par contre ça a changé d'un coup. Corvaïus. Ouais, niveau 45 sont pour me faire expérience.
Ouais, j'avais un objet, c'est pas tant pis. Oh, j'ai tracé la forêt. C'est ouf tout ce brouillard, c'est encore pire que la dernière fois. Et voilà, les Pokémon épée et bouclier. Attendez, revenez, on a besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Oh, t'as bien vu, les Pokémon épée et bouclier étaient là, mais ils sont partis. Quoi? J'ai rien vu moi. J'ai vu vous deux. Juste vous deux plantés au milieu de la route. Ça veut dire quoi? C'est encore une vision? Aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous ai retrouvé dedans. Dans les sources des gares, j'ai attendu ma chasse aux sources. La scion, le Pokémon épée, Zamazenta, le Pokémon bouclier. Il serait né dans un endroit lointain, par-delà la forêt s'époudre. Ok, merci pour l'info. Bon, on a peut-être fait la bonne piste, et qui sait, quand on tombera sur l'épée de bouclier de l'époque, on pourrait servir aussi. Le pêche trop un Léviator. Imagine. On dirait qu'on va gagner l'Excalibur. Oh, c'est incroyable cet endroit, c'est magique. Gilorgal, l'épée et le bouquet, ils sont là, la légende disait vrai. Vous recevez un peu comme un bouclier rouillé. Je prends l'épée. Par contre, est-ce que vous voyez, je sais pas. Oh là, je bloque. Je sais pas si ça va nous aider. Contre un noir. Non pire, ça nous portera chance. Pokémon épée et bouclier sont peut-être encore endormis quelque part. Enfin, tant pis, on va faire ce qu'on a. Allons aider le frangin. Un truc d'air. Ça va qu'on nous TP de ouf. Nabil, c'est terrible pour le match ultime, hein, interrompu comme ça. J'ai rien pigé aux histoires de sauver Galar avec l'énergie de la mur noire là. Il est devenu fou le président quoi. On s'en fiche les détails, on verra plus tard, il faut qu'on aille aider mon frangin. Ok, il tient vraiment pas en place une Nabil. En tout cas, heureusement qu'on a réussi à évacuer les habitants à vie d'un temps. Les champions derniers les Pokémon ont été graves à ce. On grave assuré et j'ai brûlé. J'arrive plus à lire, attends. Pour les champions d'arène et les Pokémon, on grave assuré pour gérer la crise. Ouh. Et toi alors? T'es là pour sauver la région aussi, comme Tarak? Oui. Meilleur challenger à ce jour qui fait équipe avec la meilleure. Avec le meilleur maître de l'histoire. Sans oublier son meilleur rival. Laisse tomber. On va en faire une bouchée de la nuit noire. Allez, on rentre dans le stade. On s'est retourné à la tour, quoi. Toi, Changer, viens m'aider sur champ. Enfin, je veux dire, aide-moi, s'il te plaît. Les Pokémon se sont soudainement dynamaxés dans le stade, impossible de les arrêter. Imagine bien le chaos quand il y en a résulté. Enfin, il a réussi à les calmer, mais... Tous les Pokémon alentour se mettent à dynamaxer également. La salle souterraine du recteur se trouverait... retrouver en seule vie et me switcher avec.
Je sais que je suis aucunement en position de demander une telle faveur, mais je t'en prie. Tu dois te rendre dans la salle des directeurs et sauver le président de sa folie. Si Jesus a réveillé un Pokémon, il s'appelle Eternatus. L'énergie qui émane dans son corps est à l'origine des effets des Dynamax qui touchent à la région. Et si on n'en fait rien, tous les Pokémon de Galar vont dynamaxer et devenir hors de contrôle. Ce sera la panique. Je t'en supplie, prends cet ascenseur et descends aider Monsieur Chérose. J'ai également expliqué la situation à Nabil, mais j'ignore si ça se tera tout seul. Tu vois qu'on va faire le combat d'un boss final. Que vient faire ici, Ginger? J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. Anunor, ou plutôt Eternatus, le plus terrible des Pokémon, est maintenant éveillé. Laisse-moi expliquer une ou deux choses. Vraiment difficile à comprendre pour quelqu'un de ton âge, mais ce que je fais n'a rien à voir les choses. J'œuvre pour la prospérité éternelle de ma très chère région de Galar en exportant une source infinie d'énergie, rien de plus, rien de moins. J'ai rassemblé les étoiles de vœux sans relâche pour atteindre ce but. Tu te souviens de l'incident à l'heure rouge dans la Kickman? C'était moi. Je tentais déjà à revivre la nuit noire. Ce serait pas l'avenir des Galar en péril hors de ma vue. Franchement, ils ont dû mettre cette scène après le combat du maître. Il y a encore que 5 Pokémon. Pourquoi ils ont jamais 6? Pourquoi attendre durant ce moment? Pourquoi tu fais dans ce moment? On va te niquer au prochain tour. Contre super stylé quand même. On bat contre Chirose. Ça a l'air d'être un Pokémon de plante, non? J'ai dû faire demi-tour, putain, je suis con. Bah ouais, je suis une bite, sérieux. C'était évident en plus. J'ai tilté après quoi. Ça m'a même pas tué encore! Il est douillé là! Donne tes Pokémon pour... Je vais me faire dégommer, quitte à se faire dégommer. On va le faire mal un peu. On va lui faire un passe. Je sais pas, je m'attendais pas que ce soit un Pokémon électrique en fait. Et tout ce temps.
pas s'il va attaquer avant. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Putain. Je suis vite, non. Je suis quand même. Tu me prends une débrouillée là? J'ai même pas regardé ce qui était efficace ou pas, je suis une bite. J'ai pas grand chose qui est efficace contre ce connard. Qu'est-ce que je me balade encore avec ce Pokémon, moi, en fait? Comme par hasard! Oui, je crois qu'on va commencer à claquer des rappels max. Putain, comment j'ai mauvais joué le premier tour, j'aurais tellement dû faire demi-tour déjà. Léo, c'est le plus fort du monde, quoi. Et encore, c'est pas un Léo. Depuis le début, j'aurais pas utilisé de rappel max. Bon, par contre, je pense que je vais utiliser une Dynamax quand même là. J'ai bien peur qu'il ne s'agisse que mon dernier Pokémon de miséricorde. Ça dépend. Il y a quoi comme dernier Pokémon? Evita. Dynamax. Dynamax. Parce que je sais pas ce que ça va vouloir. Si. Ça va rien faire là. Content de passer les choses. En plus, c'est marrant parce que le premier Pokémon qui monte, c'est un éléphant. Du coup, ils sont pas gone. Pourquoi il est rectangulaire? Sérieux? Ah, c'est un Pokémon psy. Oh putain, je me fais toujours. Vite, moi. Tentaculas, je sais bien que ça va faire ça. Drôme max. Oh que putain, peut-être insecte max. Oh, Pokémon de attaque. Ok, tout simplement. Attends, j'ai un peu de niquer du coup. Grêl, n'importe Nawak, c'est au max.
J'aurais pu l'avoir tellement plus facilement si j'avais pas fait le compte déjà dès le début. J'avais un Pokémon qui allait pas contre mon... J'ai oublié à quel point les combats Pokémon pouvaient être exaltants. 13% d'Angile. Je comprends pourquoi t'as été recommandé par notre fameux maître invaincu. J'ai regret d'avoir dû couper court au match ultime et donner tellement de mal pour le défi des arènes. Et voilà que je gâche ton heure de gloire. Mais je comprends que je n'ai pas eu. D'autre choix afin d'éviter cette une grave crise énergétique. Je dis qu'il est indispensable de réveiller Thanatos. Hélas, je n'ai pas su le contrôler. Heureusement, le maître a volé à son secours. Mais celui a coûté le match qu'il attendait tant. Il est arrivé tel un proche chevalier venu pour protéger notre tiers-barbe. Pardon, je parle trop vite, ça a toujours été un de mes bien défauts. Je vais faire quoi? Je pense que le maître devrait avoir capturé Thanatos alors qu'il est. Si tu souhaites avoir connaître, je t'invite à prendre un sorcier pour le rejoindre. Nabil, j'espère que ta défaite face à moi. Pas trop découragé. En tout cas, j'encourage à suivre ton ami et à rejoindre ton frère. Allez-y tous les deux. Découragé, moi? Décidément, vous comprenez rien, monsieur Chérose. Subir une défaite, c'est pas une raison pour baisser les bras, au contraire, c'est ça que j'ai compris en participant au défi des arènes. Chill, t'as tout ce qu'il faut, parce que moi je suis prête. Je suis prête, oui. Parfait, tu es ma rivale pour... Vas-y. Attends. Au doute. Je sais qu'on va me soigner. Et au doute. Pour une fois, mon passé de tâche, je te jure, ça me soigne juste après. Nabil, Jill, vous avez bravé le danger pour venir m'aider? Merci infiniment, je suis tellement fier de vous. Mais ne vous inquiétez pas, il semble que Thanatos exerçait une sorte de pression qui m'empêchait d'utiliser le max, mais il m'en faut plus pour l'arrêter. Dragonfeu et le reste de mon équipe ont réussi à m'affaiblir. Maintenant, il n'y a plus qu'à le capturer et le problème sera réglé. Battez un peu mon lancer de maître. Style la musique. Par contre, là, t'es petit d'un coup là. Il y a une arnaque sur la taille. 60, ouais. Ah, mais si t'es un dragon. Allez. J'ai fait. Vent glace. Ils m'ont bien pas soigné mes Pokémon en fait hein.
Canon Dynamax, oula, en normal. Attends, je le capture en direct. J'ai même pas de Master Ball. Ah ok, bah moi c'est l'idée, on le dégomme. C'est le Pokémon Fucking Monkey. Toujours pas. Derrière les stats pétés, c'est normal. Tom, ça pas suffi. Mais oui, il va faire lance-flamme, je suis con. En gros, je vais commencer moi. Bon, pour être sûr qu'il attaque pas. Forcément une forme de Gigamax. Putain de forme Gigamax. Tu vois, le ce combat là après le mettre, ça va faire un vrai boss final, je le dis. Et mes Pokémon sont peut-être toujours pas soignés. Et vas-y, bah, plus on s'achève. Ah si! Énorme, mais à deux, on peut le vaincre. Et le maître, les branle quoi. En glace. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas lancer de capacité. Génial. Ah, j'ai oublié, on a trouvé une épée et un bouclier dans ce cloud. Gilles, prends le bouclier, il est abîmé, et ça passera peut-être un truc. Ok. Salut Rathalos. Oh salut, comment ça va? Eh mais t'arrives pour le combat final toi? Enfin le combat final. Le combat de boss, pour moi c'est le boss final. Même si c'est le boss final, c'est le maître.
Putain là 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 là. Là par contre, on doit avouer que c'est un des meilleurs combats de la série Pokémon que j'ai. Même si le jeu est trop facile. Aïe aïe aïe, 2 plus un Pokémon. Eh bah ben, vas-y, attends. Moi je pensais qu'il était à moi maintenant. Ouais, je vais bien. Ah bon, je m'éclate, et toi? Alors, est-ce que je peux attaquer maintenant? Mise à serre, c'est vrai que grandement c'est utile. Vas-y. En fait, il nous booste quoi. Je me suis mouché sans couper. J'ai mieux. Donc j'ai forcément le bouclier. J'ai l'épée aussi. Et donc j'ai le steelbook. Ah oui, je suis un connard. Et pourtant quand j'avais arrêté de Rubis Zaphir, je me suis dit ouais, je me remettrai pas dessus parce que ça, c'est pas ouf. Et au final bah je me suis remis dessus. J'ai craqué. Avant c'était dur de se mettre dessus quand j'avais pas de DS aussi. Ouais, faut beaucoup plus mal que moi. Et le mien il fait pas mal du tout. Oh là là, moi, c'est une blague mes attaques. En fait, c'est juste un beau combat qui a de la gueule, qui est un peu facile. Parce que bon, c'est les Pokémon légendaires qui vont le ramasser la gueule. Lui qui va que ce fou encore. J'ai pas allé. Je fais pas de dégâts, on va faire demi-tour. Bon, par contre, la musique était pas ouf, elle était mieux sur le tout à l'heure. Ah sinon quoi de boire à Talos, ça devient quoi? Allez, sortons la lit tank. Si je reprends la suite des épées, on pourra s'échanger des Pokémon pour compléter Pokédex. Si tu veux, j'ai deux versions donc bâtard. J'ai deux versions donc on peut. Je pourrais t'arranger sur tous les Pokémon s'il faut. Ok, ça se remet sur quoi du coup? Le double count sert à rien, c'est vraiment pour la beauté.
Ok, c'est quand on finit un jeu de Switch. Ah, moi j'ai tellement de jeux de Switch à finir, et en fait je crois qu'il ne finit aucun. Écoute, en ce moment j'ai du mal à me mettre un fond sur un jeu pour le finir. J'étais sur R6, R6 c'est Resident Evil 6 ou Rainbow Six? Je confonds peut-être. Ah non, si RE, non, Rainbow Six alors. Non, c'est raté Resident Evil, c'est RE. Je commence à me faire violer un peu quand même. Et ce mouflon est encore là? Et c'est moi qui prends les coups ou quoi? Ouais, parce qu'il y a résisté tout à l'heure. Ça s'est fait dégommer. La blague. Ouais, voilà, oui, non, mais c'est même moi j'ai. Maintenant, capture RT. J'allais dire tétanos. Oh, j'aurais dû mettre une Pokéball stylé. Oh, attends. Y'a pas de Master Ball dans le jeu là en fait? Je l'ai raté. Oula, tu es un big attendant. Bon, comment combat Gigamax Là t'es en train de finir UG Machine 3, ok. Ah putain, je l'ai même pas pris, 3 jours plus tard. Alors, le personnage Chiron s'est rendu tout seul à la justice. Encore heureux, il a mis toute la région en danger en réveillant Eternatus. C'est pas moi qui vais avoir pitié de lui. Salut, t'as bien dormi? Moi oui. Les gens parlent de que de cette histoire, normal c'est assez terrifiant. Mais tout est bien qui finit bien. On a terrassé Eternatus avec Zacian et Amazenta. N'empêche, c'est ouf que le frangin insiste pour disputer le match ultime contre toi. Il a perdu connaissance quand même. Et t'es seulement amoché. Enfin, je le comprends, il a hâte de t'affronter, Jill. Allez, en route sur le stade du Musicor. Alors attends, il y a un Pokémon que je vais changer. Équipe. Hop. J'ai un Pokémon qui sert absolument à rien. Putain, oui. Non. Qui arrête? Putain, Eternatus, t'as pas de nom.
changer ce malheur. Même pas, ils ont demandé de changer de nom à Thanatos. Ou ça se trouve, j'ai cliqué sans faire exprès. La grande finale, chill. Attends, je suis où? Ah, je suis à la grande hôtel, ok. Ouais, on venait. Attends, je dois avoir la thune pour acheter mes vêtements. Il manquait un pantalon à acheter. Putain, ça ferait pas plus que ça. Ah, un short, ça. Ah, j'avoue qu'un short. Comme ça. Mais où ? Attends, donc. Les chaussures sont tous moches, presque, en fait. Oh, c'est moche, hein, ça, quand même. Le clan était parfait. Ah putain, attends, j'ai un chapeau. Non. Et les gants, on va rester. Ah, on va rester comme ça. C'est le pantalon qui me manquait. Ah, j'ai hésité avec le short. Changer le nom de Thanatos. Je vais faire le bâtard. J'attendais ça, avoir un légendaire pour mettre. J'ai un Pokémon avec mon nom, enfin. Yes! Et c'est là que je me rends compte que j'ai pas fait les courses pour mes objets. Mais ça va aller. T'as deux Switch pour avoir pris les deux jeux? Non, j'ai pas deux Switch. Mais bon, ça marche pas quand même les cartouches. Oui, avec une sauvegarde par cartouche. Là, c'est par profil, donc. Ah, j'ai un frère qui a une Switch, mais bon. Donc... Non, mais après, j'ai craqué. Les deux Pokémon, il y avait le Steelbook aussi qui était beau. J'ai l'habitude de remplir les stades, mais là j'ai jamais vu une foule de délire. Clairement, tout le monde est déjà au courant de la bravoure dont tu as fait preuve l'autre jour. Le public n'attend que de voir la sauveuse de Galar en action. C'est maintenant la nouvelle héroïne de notre région qui a combattu aux côtés de Zacian et Zamazenta et capturé Thanatos. Je ne pouvais rêver d'une meilleure challenger à affronter en finale. Ah, je vois qu'Ethanatos a rejoint ton équipe. Voilà ce qui ajoute encore plus de piqueur à notre affrontement, j'aime ça. Bon, bref, il est temps de commencer ce combat historique. Il n'aurait pas dit ça si je l'ai pas pris. Jill, es-tu prête à combattre dans cette finale qui restera dans les annales? Alors, prouve-le-moi. Je vais le
Je vais le déclencher. Et tout le monde qui compare avec Bobby, je sais que c'est sa gaffe. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, pour le mettre, il est soin, là. C'est quoi ce Pokémon? Lors du mettre, il a aussi d'offrir un spectacle de mort. Ah, 60 2. Bon, la musique, elle est pas ouf. Par rapport à Rosemary, c'est pas ouf. La meilleure musique de combat, c'est Rosemary. Ah, il résiste. Ok, je me suis foutu de sa gueule avec son Pokémon. Ok, je suis désolé. Tu fais mal, en fait. J'ai compris. T'as décidé de faire mal. Je vais sortir à Thanatos. Ok. Pas l'ombre, ça fera. Bon, t'as l'air d'être un Pokémon acier, hein, un petit lance-flamme, ça va te calmer. Voilà, c'est ce que je pensais. Une attaque super efficace, je vois de ta part, ça ne t'aide pas. Rhinocéros, c'est une évolution? Non. Attends, mon Pokémon il vole et il est pas censé le toucher. Il flotte. Ok, j'ai un légendaire qui s'est fait violer. Normal. Bon, alors si il a fait des attaques sol, on va peut-être taper la roquette. Je suis con, j'aurais dû faire une d'acier. Tac, je vais pas aimer. Je sais pas si je suis un peu comme d'acier, vol. Oh, il fait une guérison. Bon, j'ai compris, je vais me faire violer. On va tricher un peu, max, hop. Nanma, elle est tech aussi. Non, ils ont des évolutions. En plus, attends, ils avaient des seules évolutions qu'ils ont gagnées dans la deuxième gène, si j'ai pas de conneries. Ça fait très longtemps maintenant, ils ont des évolutions. Comme ça. Je vais faire le connard, je vais sortir ce Pokémon, un petit canon. Ah, tu m'apprenais mon truc quand même, des missions sympas avec toi que je m'attendais pas. Aïe! Ah putain, mais on fait ça. Mais c'est abusé!
je ne connais pas les faiblesses. Attends. Quoi? Merde. À ce point-là, j'aurais pu le dégommer avec Starter et Filani. Sérieux? Ah oui, super efficace. Non, parce que comme il avait séisme, en fait, le starter était déjà blessé, et puis la fille était 4 pattes et un séisme, je sais pas ce qu'il aurait aimé. Bon, ça fait depuis la version Ruby Zafir que j'ai arrêté Pokémon. Bon, toi je te connais pas, on fait un demi-tour. J'ai même pas eu le temps de faire un demi-tour, donc t'es plus rapide que moi maintenant, t'as peut-être parce qu'il était un peu plus haut que moi. Là ils vont m'attaquer avant. Ça va être la merde. Parce qu'ils doivent quand même Pokémon. Ah. 54, je vais pas l'attaquer avant. Ça va. Là, je sais que je vais me faire péter. Mais c'est ouf quand même. Putain, j'ai un dragon, il se fait péter par un séisme quoi. En plus, je fais les deux fois la même connerie. Bon, par contre, ballon, ça me fait. Ouf, je profite de claquer, mais il rappelle max hein. Heureusement que ça existe hein. La question est... Est-ce que je le garderai pas? Attends. J'ai pas d'idée de sortir vite. Bon, on ressort mon dragon. Il va se faire violer. Putain, c'est un légendaire qui se fait violer. Ah par contre, quand je l'ai combattu, il me niquait la gueule. Hein. Mais j'ai un Pokémon de merde! Il fait blesse à tout! Je vais me dire, putain, si je suis paralysé, c'est une blague quand même. S'il est même tué, je vais me dire, c'est une putain de blague. Pourquoi t'as pas pu te faire ce jeu? J'attaque avec le sol, j'espère que je m'attaque avant. Évidemment, tu peux attaquer avant. Mais non, mais. Eh, il est faiblesse à tout ce Pokémon. Bah, je vais pas envoyer Smiley, je vais me faire des pulvères. Bon, je veux l'affronter, je veux le niquer. Nanaroke, okay, ça va le faire. Aucun. Non mais en vrai, Rathalos, Thanatos, c'est plus la merde, c'est ouf. Il fait blesse à tout. Tiens, c'est quoi, on va faire la pute. Mais il est stylé le singe en... C'est vraiment le Pokémon de feu, et tout le monde qui kiffe le Pokémon de feu. Pyrobut, je sais pas quoi, mais je le trouve que c'est le plus moche des 3.
C'est loin. Oh, j'ai du sable. Elle me fout coup de boue, ça me fait la même chose, mais je fais des dégâts. Oh. Je peux faire un coup avec mon fil à vie. Bon, vas-y. Normalement, tu vas pas pouvoir me l'attaquer. Hop, on est mort. Des dégâts. Ce n'est pas quand terminé, le maître n'a pas dit son nom. Faire plus le père, j'ai un petit passé. Ta 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 ta. On va changer avec Smiley. Tu dois bien se passer. On doit découvrir la véritable puissance des dragons fées. Voici sa forme Gigamax. Il nous a spoilé au début du jeu. De faire montrer la température d'un gonflé qui se fournit G-Max. C'est vrai qu'il y pense, j'aurais peut-être pu laisser crever un autre parce que... Man. On va pas donner un max. On va pas donner un max, ça sert à rien de maxer. Je vais faire plus le vert. Là, si je l'avais tué, je me serais foutu de sa gueule. Un dragon fou qui n'est la plante. Ah, peut-être le soleil. Non. Mais quand même. Bon, aujourd'hui, c'est une tocon d'oiseau mourir. Bon, ouais, vas-y, hop. Et après, les deux autres, ils sont hyper faiblesses contre dragon fou. Pour le fun, je vais giguer les deux mains de ce pas. Ah, je peux pas le gigamax! Oui! Bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, je vais finir avec ça. Et la boss finale t'arrête qui se porte. J'aurais kiffé une fois comme ça. Franchement bro, je n'ai vu que... Ah j'ai une 4, vraiment merci pour ce coup. Bon j'ai fait de la merde. Tu as triomphé le maître invaincu que j'étais, et maintenant te le mettre à ton tour. Franchement, c'est pas tous les jours qu'on croise un dragon. C'est pour ça que tu mets toute la façon. Enfin, j'aimais pas eu le temps de lire, c'est comme la cinématique de la dernière fois. Maintenant que tu as atteint un tel niveau, il est temps pour toi de penser à l'avenir.
Ah, c'est aussi à nous les adultes d'améliorer le présent, c'est pour le bien des générations futures. Quant à toi, Jill, continue comme ça. Continue de croire en toi et ton équipe, c'est la clé pour l'avancer. Pour créer un bel avenir dont nous rêvons tant. Public de Galar, une nouvelle légende vient de naître sous tes yeux ébahis. Jill. Tous ces éléments de sa puissance avec elle, notre futur est entre bonnes mains. Ouvre ses yeux, cher public, tu vas voir tout ce que Jill peut accomplir. Ça reste un Pokémon sympa. Du coup, il reste plus que le endgame parce que du coup, les Pokémon légendaires, on les a pas. Hein. C'est pas évident qu'il y ait l'histoire avec eux encore. De toute façon, je sais qu'ils mettent une double. Du coup, sinon, on va s'amuser aussi à capturer les Pokémon Geek. C'est-à-dire, pas que tout. Que je passe ça, c'est le menu ça. J'ai laissé la feuille. La feuille vert, feuille haut. Oui, c'est. Il y avait feuille haut. De le combat de l'autre jeu Pokémon. La génération des épées que j'ai pas fait parce que moi bon, après c'était la neige hein. Bien cassé les couilles. J'aurais pensé tomber de ténèbres en dernier, mais au final c'était le dragon.
te laisse sur le jeu et t'es obligé de te recommencer tout le jeu. Imagine. Mais non. C'est pas des connards comme ça. On va save et on va s'arrêter là, pour ce soir. J'ai dit qu'on va s'arrêter là, pour ce soir. Allez, Jigo, Rathalos, à la prochaine. Salut. Et là, je vais arrêter un peu Pokémon, j'ai un autre jeu prévu pour demain. Code Vein. Bon, voilà. Allez, salut.